seulement on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vais vous montrer deux coiffures sur les cheveux de ma fille, donc je vous laisse regarder. Pour faire cette coiffure, il me faut des petits élastiques comme ça, les toutes petites là. Je sais pas si vous allez voir, tac, que vous achetez à Action. Il me faudra une petite barrette comme ça et une petite pince comme ça ou au choix. Alors, on va commencer sans plus tarder. Donc, moi ce que je fais, j'ai déjà brossé ses cheveux, on met les cheveux en arrière et il ne faut pas en prendre beaucoup. Pardon. Donc, désolée par contre si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai ma fille avec moi. Si vous avez de quoi, une petite tige ou autre pour bien prendre les cheveux, que ça fasse droit, faites-le, ça fera plus joli. Moi j'en ai pas, donc je fais comme ça. Ensuite, vous faites comme une queue de cheval, vous faites deux petits tours, vous écartez les cheveux avec vos deux doigts, hop, et vous passez votre demi-queue dans le petit trou ici. Ça fait ça, baisse ta tête, ça fait ce résultat. Ensuite, on monte la tête. Vous serrez un tout petit chouïa, vous refaites. Viens là, s'il te plaît. Regarde là. Après. Ensuite, donc voilà, mets ta tête bien comme ça. Vous refaites la même chose, sauf que là, vous allez prendre que le côté, l'autre côté, et vous ne prenez pas le milieu. Donc, je fais ça vite fait. Vous faites pareil deux tours. Vous ne serrez pas, vous venez récupérer les cheveux. Et là, vous serrez un petit peu. J'essaie de vous montrer vite, donc ce ne sera pas parfait. Mais voilà, ensuite on va refaire la même chose, vous prenez les cheveux, tac, j'essaie de faire vite, je suis désolée si on ne voit pas très bien. Donc là hop, on fait deux petits tours avec l'élastique, on vient récupérer la demi-queue avec les doigts, tac, et on serre un petit peu. Et je vais faire la même chose, il me reste un élastique, donc là vous venez récupérer. Là, vous prenez la moitié et l'autre moitié. Donc là, vous voyez, il reste plus que deux au milieu. Vous reprenez tout, en fait. Deux petits tours. Mieux, Chloé. Et vous venez chercher les cheveux. Voilà. Et avec la petite barrette. Chloé, s'il te plaît, tu fais quoi, là? Vous venez mettre ça au niveau de l'œil. Ça passe, en effet, joli. Et devant, moi, vu que ma fille, elle a une tranche, je vais venir l'approcher. Chloé, c'est pas pour ce que tu fais. Je viens accrocher avec ma petite pince. Je fais tomber des petits cheveux sur le côté. Voilà. Et Yuna va vous montrer. Je pense devant. Vas-y, lève-toi. Voilà. Donc devant, c'est comme ça. Tourne. Et derrière, c'est comme ça. Donc voilà pour la première coiffure. Pour la deuxième coiffure, ça va être effet décoiffé. Donc je prends la moitié de la tête de ma fille comme ça avec mes doigts. J'enlève les cheveux du dessous. Je prends un petit élastique de tout à l'heure. Je viens faire comme ça. Donc, je coupe. Je vais faire comme si je faisais un cheveu effet décoiffé. Je viens tirer un peu dessus comme ceci. Ça fait chignon effet décoiffé et ensuite avec un nœud je viens passer juste ici devant la coiffure. Yuna, tourne-toi s'il te plaît. Non Yuna, tourne-toi l'autre côté, de l'autre côté, voilà, bouge pas. Donc voilà mon nœud fait décoiffé, ensuite avec ma petite pince qui est juste ici je viens accrocher ces petits cheveux de devant. Voilà, donc voilà pour la deuxième coiffure.